Eh bien, plop tout le monde, on se trouve pour cette quête numéro 10, je crois, de l'alignement, ainsi que peut-être les autres. On a déjà fait les 10 premières et on s'attaque aux 10 suivantes. Alors, cette quête que j'ai démarrée dans la précédente vidéo a 3 buts, 4 buts. Prendre des yeux de larve, vaincre un quoi-quoi, récupérer l'œuf de quoi-quoi, donc vous n'oubliez pas de prendre ceci. Et plus léger que ne laisse croire sa taille, d'accord. Et il me faut du pain, logiquement. Un pain consistant. Alors c'est pas écrit, mais il l'a demandé. Bah on dirait qu'il en a pas besoin. Voilà. Donc j'ai les yeux de larve. C'est des yeux de larve, donc. Et l'œuf de quoi-quoi, les yeux de larve se récupèrent automatiquement sur les larves. Alors, donnez les yeux de larve et l'œuf de quoi-quoi. Alors, j'espère que le message est passé. J'ai toujours un œil sur toi. Tiens, il y a quelque chose de plus dans ton sac. Une grappe d'œuf? Tu es inconscient? Tu sais ce qui va se passer si ça y... Trop tard. Assume. Ah, bah je me disais bien que ça venait d'une quête, ça. Oh, bonjour. Tu veux... Bonjour. Bonjour. Ok. If you want to. Tam. Défendons Brakmar des larves. De la petite larve dorée, de la larve orange, insatiable. De la larve bleue, insatiable. Et de la larve verte, insatiable. En fait, c'est qui ces guignols? Eda, c'est quoi ce serveur? Je crois que c'est pas français. Waouh! L'opétitude d'une classe. Alors, ta-ta-ta, d'accord. Ok. Why not? Alors, Automistop. Dépêche-toi de réparer tes bêtises. Qu'est-ce que je fais? Mais quel imbécile! On t'a jamais dit qu'une grappe de larve est aussi dangereuse qu'un choléra? Une grappe de cette taille peut entraîner une ville à sa perte, submergée par les larves. Enfin, tu as bien réagi. Elles semblent toutes mortes, sauf la dorée qui te... Une dorée? Et tu portes la poisse! Tu es vraiment un culte. La larve dorée est une larve légendaire, investie du pouvoir des dieux et de tout le totem. Ah là là. Bon, je vais pas te raconter toutes les histoires. Il y a bibliothèque pour ça. La seule chose que tu dois te retenir, c'est qu'il faut que tu ramènes cette larve à ses parents, et vite! Et qu'elle empote, et tu ne sais même pas où aller. Va demander à quelqu'un qui le saura, la bibliothèque de Macna. Le bibliothécaire de Macna, lui, c'est tout. Allez, file! Oh, j'aime bien! Attends, est-ce que c'est la quête? C'est une quête d'alignement? Oui. Allez voir Aristote. Ouais, c'est comme ça qu'on fait, on gaspille les potions de Brakmar. Ah, merde, j'ai oublié de couper les... Donc nous voici au village d'Amakna. Alors la bibliothèque, je sais plus où exactement elle est. Elle est pas très loin par là, normalement. Je sais plus où elle est, la bibliothèque. Sa position exacte. Bibliothèque d'Amakna. Oui, c'est là, d'accord, c'est y a les modes dessus. Bien, il y avait juste à cliquer ici. Mais c'est marrant comment ils ont modifié ça, c'est intéressant. Et ça veut dire qu'on va devoir faire le donjon larve. Ah, oh, le donjon larve, faut deux personnes. C'est chiant. Alors, Aristote, bonjour. Chut, silence, c'est une bibliothèque ici. Si vous avez besoin d'un livre, venez me demander. Mais pas un mot. Chut, pas un mot, j'ai dit. Allez vous asseoir en silence à présent. Et je ne vous entends plus, même pas chuchotement. Je vais montrer la larve. Une larve? Quelle larve? Ah! Une larve dorée? C'est une larve légendaire. D'après la légende, ce n'est qu'un bébé qui... Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut que vous rameniez cette larve auprès de ses parents avant qu'ils ne viennent la chercher. Demandez ce qu'il faut faire. C'est simple. Il suffit que vous trouviez l'entrée de la grotte légendaire aux larves dorées. Selon la légende, elle se trouve un peu plus à l'ouest d'Amakna. Les pouvoirs secrets de la larve dorée vous permettront d'y entrer.
Alors, l'entrée de la grotte se trouve un peu à l'ouest de Makla. Les pouvoirs latents de la planète permanente. Et attention, si la petite larve se prend des dégâts, elle se précipitera dans les bras de son père. D'accord. Et il faut que j'aille découvrir l'entrée du donjon des larves. Bon, faut que j'aille faire un donjon tout pourri. Alors, il semble que je dois connecter un autre perso, puisque... Je vais juste le connecter. Allez, j'espère vraiment qu'ils ont modifié le donjon et que c'est réalisable en solo, sinon ça va m'énerver. On va prendre la dragodinte, ça ira plus. Voilà, ça ira plus vite. Bien chiant ça, bien chiant. Mais c'est plus agréable comme c'est. Enfin, c'est plus agréable. C'est plus sympathique que les quêtes d'avant qui étaient nulles, qui étaient atroces, qui étaient nulles. Là, c'est bien, ça permet de faire découvrir le jeu. J'ai jamais fait la quête? Ici, il y a une map cachée, si ça intéresse du monde, ça sert à rien. De l'or. De l'or. Attention, mineur. Il aggro. Ah, eux, ils vont être bien chiants. Bah... Ah oui, je peux même pas y aller. Ah, ça aggro plus. Oh, nice. Avant, s'agresser. Hop. Par ici. Encore un peu. D'autres joueurs qui sont en train de réaliser les quêtes. Larve dorée, larve bleue. Et on y va. Manque de la vie là. Tac, 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 tac. Me manque 200 HP. Bon, c'est en importance. Non, attends, il me manque quelque chose. Tac, 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 tac. Ah, pourquoi j'ai ça? Voilà. Mode tactique. Et bah, je vais vous passer. Oh, ça rocks. Très jolie musique. Je vais vous passer le donjon parce que bon, sinon c'est un peu long. Ouais, donc on prend un par là, autre par là, et comme ça je vous montre un peu comment ça marche le donjon des larves. Donc il faut un joueur de chaque truc et hop, il est où ici? Il est là. Voilà, elle sert à rien les larves. Et voilà. Ah d'accord, il y a même plus besoin, parce qu'avant, si l'un n'activait pas, l'autre était bloqué, et il fallait recommencer tout le donjon. Et chacun est séparé, c'est comme dans le donjon, comment il s'appelle, le Tanukoi. Oh magnifique la musique. Et je reviens. Alors je préviens pour ceux qui ont voulu faire les petits malins, n'oubliez pas votre second personnage, même dans les salles suivantes, puisqu'il y a deux fois ce merveilleux passage où... Voir peut-être une troisième fois où on a besoin de son ami. Hein. Pour la Shinlar, je suppose que vous êtes des grands garçons et que vous pouvez y arriver parfaitement tout seul. Hein. Il n'y a pas de stratégie particulière. Vous y allez, vous roxez. Et c'est tout. Bonne chance à vous. Re tout le monde. Alors, la larve dorée, elle est là. Oui, j'ai le succès. Hop. La larve semble satisfaite de son sort. Laissez la larve et partir. Adieu. Je t'aimais bien. Voilà. Brakmar, Automustam. Alors, dépêche-toi de réparer tes bêtises. Combattre les larves, on sait que les larves ne sont plus une menace. Il s'en est fallu de peu que le malheur s'abatte sur notre cité. Je ne te remercie pas. En même temps, c'est à moitié de ma faute. Nous avons un fourbe parmi les rangs de la milice de Monta. Il se nomme Vinch Atticus. Je lui ai demandé de faire la liste des systèmes de défense de Panta. Trouve-le et ramène-moi son rapport. Alors c'est pour ça que si vous êtes intelligent, vous êtes prêt. Vous avez le zap de Panta. Et avec la nouvelle mise à jour. Enfin, une vieille mise à jour, celle des machines là. Je sais plus comment ça s'appelle. Des alliances, ça évite d'avoir à faire ça. Alors, agent double ennemi.
trouvé 20 Atticus. Ah. Je reviens. Ouais, donc il est en 31,55. Alors, c'est en dessous. Voilà, c'est juste à côté de l'HDV des revenus. J'ai toujours trouvé ça stylé, le fait que des Brakmariens se battent tranquillement dans mon tas, mais bon. Ah, on voit les Brakmariens d'ailleurs. Les bons. Bonjour camarade Brakmarien, que puis-je pour ton service? Je vois. Automistam t'envoie pour récupérer le rapport. Le problème, c'est que je l'ai garé les documents... Les copies du document confidentiel. La dernière fois que je les avais sur moi, c'était à la taverne de Bagrut. Je les ai sûrement oubliés dans la loge d'ASK. C'est le nom de scène d'une danseuse. Je ne peux pas y retourner sans attirer l'attention. Il va falloir que tu t'en charges. Ah. Taverne Bagrut. Je me rappelle pas de cette partie-là. Ah bah oui, faut bien que la quête soit un peu difficile. Oh, c'est beau. Bonjour, Ekaline. Bonjour et bienvenue à la taverne de Bagrut. Ici, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour te rafraîchir. Je m'appelle Ekaline et je peux être ta service exclusive le temps de ton séjour dans notre établissement, si tu les désires. Miaou. Bienvenue à la taverne de Bagrut. Ici, c'est moi qui donne les ordres aux clients. Compris? Pas de familiarité entre nous ou je te fouette. Et ce sera... Oui, maîtresse. Compris? Oui, maîtresse. J'aime mieux ça. Maintenant, mets-toi à table et commande à boire. D'accord. Dame Claude. Ah, voilà. Coucou mon mignon, bienvenue à la taverne de Bagrut. Demandez où se trouve la loge de la DSK. Je suis sincèrement désolé pour toi, mais suite à une dispute avec son gérant, Karl Lasmur, j'étais contraint de mettre un terme à son contrat. Ils ont vidé la loge avant de partir. Cependant, tout n'a pas été perdu. J'ai d'autres filles talenteuses ici. Tu as ton choix. Connaissant le personnage, je ne serais pas étonné qu'il traîne du côté des quartiers boulangers. Il paraît qu'il passe des choses pas très nettes. Alors, quartier des boulangers. Comment il s'appelle le mec? Karl. Chercher Karl à Saumur dans le quartier des boulangers de Bonta. Ça va être long. Ah oui, maintenant c'est juste paysan. Alors, Karl la Saumur. Karl la Saumur. Alors, on va mettre le mode. Voilà. Non, c'est trop moche. Alors, il va de où à où, le quartier des boulangers? Je suis où? Donc, on se retrouve à la taverne de... J'ai pas regardé le nom. C'est quoi le nom de la taverne? Bon, la taverne du quartier boulanger, pain chaud, voilà. Ah oui, quartier boulanger, pain chaud, c'est normal. Et j'ai fouillé toute la zone pendant que j'avais coupé. Si je pouvais me faire embaucher, j'ai gagné au moins quelques camos honnêtement. Billet d'art, datata, la table grosse master. Et il y a un nouvel escalier. Non, c'est pas ça. Discuter du quartier. Parler de cette maison. Ah, d'accord. Bonjour l'ami, si tu cherches du pain ou de la bière, ou de la bière au pain, tu es à bonne adresse. C'est un quartier calme, les boulangers font leur travail consciencement et les habitants me rendent régulièrement visite. Et le soir, il y a un peu d'agitation à l'est, avec la maison du faux. C'est une maison privée, seuls les habitués connaissent le code pour y entrer. Je vois, tu sais parler au tavernier, le code de la maison est... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Soir organisé par Itofu. La maison du faux. D'accord. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais. La maison du faux. Et elle se trouve où la maison du faux? Juste comme ça. Ça doit pas être ça. Je suis peut-être en train de me tromper. À l'est. Est, c'est par là. Bon, je reviens quand j'aurai trouvé. 2, 1. J'ai trouvé. Il n'y a pas besoin du code. Ça sert à rien de payer le tavernier. C'est ici. C'est juste à droite. Alors, Karl la Saumur et machin truc. Ah si, il y avait besoin du code, plus ou moins. Ton visage ne me rappelle bien pas rien. Tu es nouveau? Je peux savoir comment tu as connu cela. Et Karl la Saumur. Je n'ai rien à me reprocher. Je ne fais que rendre service à mes clients. Ce n'est pas le juge Satirev Onivin qui vous envoie. Alors, tout va bien. Demandez où se trouvent les documents de la loge de Bagrut. J'ai embarqué tout ce qui s'y trouvait. Paperasse, meufs, fleurs, lampes, tissus, tout.
Mais comme la lecture, ça me cause des migraines et ça n'a aucune valeur, j'ai justement jeté les papiers dans une poubelle. Si ça t'amuse de jouer à les éboueurs, voilà. Donc des combats de tofu sont organisés ici. Ouh, il y a même un garde. Menteur, ne dites pas à ma femme que je suis ici. Et lui, ne dites pas à mes parents que je suis ici. Ok, personne veut que... Personne sache qu'il est là. C'est dommage qu'il n'y a rien d'RP ici. Quoi qu'on peut organiser un petit truc RP avec les releases, tout ça. Alors, rapporté à Automustam. Donnez le rapport. Les nouvelles que tu m'apportes vont nous permettre d'améliorer notre plan de bataille. Leur approche, nous pourrons détruire Banta l'usurpatrice. Mais c'est quoi ça? Tes jambes sont aussi douces que j'ai envie de te couvrir de crème. Tu as mélangé les documents. Le rapport de ta correspondance intime? Intéressant. J'aurais ça dans ma chambre, tu peux disposer. Coquin. Alors, demande au garde qui est à l'entrée nord s'il n'a pas besoin d'un coup de main. Personnellement, j'ai rien à te donner. Ok, j'y vais. Paysan, paysan, paysan. Alors, cette porte est toujours une porte plutôt chiante à trouver. Mais bon. Ah là. Tu vas pas te choquer. Je vois, c'est encore un coup de Mustam. À chaque fois que quelqu'un le saoule, il me l'envoie. La dernière fois, c'était Lothar Muro. Quel impatient celui-là. J'ai un petit service à te demander. Va dire à Tank Bernal qui me remplace. J'en ai marre de surveiller cette porte. Ok, c'est qui? Livreur de mauvaises nouvelles. Alors, Tank Bernal. Hop, il est au marché. D'accord. Hop. Marché, marché. Là. Tu vois pas que je suis en patrouille? Fais-t'en. Parler de banque. Il veut que je repasse à la porte nord. Bon, j'irai après ma pause au chat brûlé. Je te remercie pas pour la peine. Va chercher les tags que Tomista a demandé à Mulibert. Alors, ça va être le forgeron, mais bon, on va quand même prendre le machin. Hop. Voilà, c'est le forgeron. Waouh. Je suis tellement étonné. Plop, Mulibert. Je suis capable de forger les plus puissantes des armes. Rien ne me le résiste. Mais tout a un prix. Demandez des dagues. Tu viens pour ça? Ton chef ne va pas être déçu. Je me suis inspiré des packs, ma dague. Et j'ai renforcé l'enchantement pour qu'elle soit efficace contre les spectres en toutes circonstances. Automustam va cesser de hurler à chaque fois qu'une de ses anciennes victimes viendra lui rendre visite pendant son sommeil. Il est bien. C'est une tapette. Ah, d'accord. À moins qu'il reçoit la. Qu'il ne soit à la recherche d'une arme susceptible de blesser Domaine. Ah oui, c'est Domaine. Alors, Domaine, je rappelle, est l'un des anciens chefs de Brakmar. Et Automustam a fait une rébellion. En fait, dans l'histoire, c'est. Demande. Ok, livrer les dagues. Wigbert en a forgé une belle paire. J'ai bien fait de ne pas le faire exécuter lorsqu'il a rendu son repas sur mes bottes à la taverne. T'a-t-il dit correct sur l'utilisation? Non, très bien. J'aime quand les gens me craignent au point de tenir leur langue. Il y a des chafers un peu plus futés que les nôtres. Aussi me dit, va en tabasser quelques-uns et ramène-moi leur casque d'élite. Il m'en faut une quinzaine. Peut-être qu'avec ça, nos chafers obéiront plus d'une minute en combat. Ok. Je vais en profiter pour expliquer. Alors, je disais. En fait, Brakmar à la base c'était géré par Joel. Puis ensuite. Ah, il y avait un troisième. Le Triumvir. Je crois. Oh. Donc, pour expliquer l'histoire. Au début, Brakmar était géré par Brumaire, Ekat et Joel. Bon, à la base c'était juste Joel. Puis les deux autres l'ont rejoint. Puisque bah, ça semblait sympa. Une collecte dite de ce nom, Cascard de Chaffaire d'élite. Chaffaire d'élite, il y en a ici. Donc c'était géré par E3. Sauf que le truc c'est qu'il y a eu l'aurore pourpre, puis il y a eu la guerre, tout ça, et fallait que Joel, Brumaire et Ekat fassent un peu de profil bas. Voilà, tout comme à Banta, Jiba fallait qu'elle fasse un peu de profil bas. Même si elle participe toujours aux réunions de Banta. Ah. Voilà.
Donc le truc, c'est que il fallait quelqu'un pour remplacer ces trois chefs. Ils ont pris donc c'est Ralgen, Domaine et Kalfen. Le Ralgen, Domaine et Kalfen. Ralgen n'était qu'une marionnette de Jol. Kalfen ne servait à rien, je crois qu'il a été tué, un truc dans le genre. Qu'est-ce qui est arrivé déjà à Kalfen? Je regarde ça. Cela avait le don d'amuser Kalfen. D'accord, non. Kalfen n'avait rien de spécial. Ralgen était une marionnette et Domaine gérait très bien. Le truc, c'est qu'un jour, Automustam s'est dit, bon, j'en ai marre d'eux, je vais faire ma rébellion. Et donc, il a enfermé Ralgen et Kalfen dans les geôles de Brakmar et il a tué Domaine. Le souci, c'est que ça n'a pas très bien marché sur Domaine et que Domaine a ressuscité sous forme de spectre. On peut d'ailleurs le voir au sous-sol de la... Au sous-sol de la tour de Brakmar. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà, c'était la petite histoire et on s'arrête là pour les combats parce que ça va être très long sinon. De 1. Ouais, et on a donc notre... Voilà. Nos 15 casques de Schaffer d'élite. Alors, dans les casques de Schaffer. Certains sont un peu cabossés. T'aurais pu les tabasser moins fort. Enfin bon, ça devrait faire l'affaire. Tu seras bientôt des nôtres, Syriar. What? Je suis pas des vôtres?